Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi et comment on attire parfois des partenaires inadéquats et pourquoi on répète comme ça ce schéma sans cesse, sans savoir comment le casser, ce phénomène inexplicable. Et je réponds à cela à travers la question de Spiritual Vegan, Céline, qui me demande: j'ai un problème que j'essaye de résoudre. En fait, je tombe toujours amoureuse de personnes qui ne s'intéressent pas à moi, soit qui me fuient, soit qui ont quelqu'un d'autre, soit qui ne veulent qu'une histoire d'un soir, soit qui ne sont pas amoureux de moi tout simplement. Et les personnes qui s'intéressent à moi ne m'attirent pas du tout sur aucun plan, que ce soit physique, mental, spirituel, etc. Eh bien, spirituel vegan. Quand nous naissons, quand nous sommes petits, quand nous avons entre 0 et 5 ans, c'est la période de notre vie où on apprend réellement les choses, ce qu'est l'amour, ce qu'est la compassion, et ainsi de suite. Et où est-ce qu'on apprend cela? On l'apprend de nos parents en reproduisant les schémas amoureux de nos parents. On les applique à soi. Il y a bien sûr des différences, c'est parfois un peu différent. Par exemple, quand on est petit, souvent, on s'identifie à l'un de ses parents. Donc, ce qui arrive, par exemple, à ta mère peut paraître comme si cela t'arrivait à toi. Et donc, si il y aurait eu un père qui serait comme ça distant, absent ou sévère, c'est comme si cela t'arrivait à toi et donc cela devient ta définition de l'amour. Donc je donne un exemple, comme ça peut-être tu es dans un autre cas de figure, mais je donne cet exemple où par exemple le père est absent émotionnellement. Et donc ta définition d'une relation amoureuse, de l'amour, c'est d'être avec un homme qui est émotionnellement absent. Et donc, même si tu utilises la loi de l'attraction pour attirer un partenaire, ce sera toujours dans le contexte de ta définition inconsciente d'une relation amoureuse qui est avec ce type de personne qui est émotionnellement indisponible ou qui te néglige ou qui ne s'intéresse pas à toi. Et réellement, pour trouver le schéma, ton schéma amoureux, ton schéma que tu reproduis, il faut remonter comme ça dans son enfance, vraiment faire ton enquête, comme l'inspecteur Derrick faire l'enquête ou l'inspecteur Colombo faire son enquête et chercher réellement sa définition de ce que c'est une relation amoureuse, comment ton enfant intérieur a défini ce qu'est une relation amoureuse. Et pour ce faire, tu peux te demander quelles étaient les trois ou peut-être les quatre caractéristiques les plus difficiles à vivre de tes parents entre l'âge de 0 et 5 ans. Si, un exemple encore une fois, l'une des caractéristiques la plus difficile, c'était que ton père était émotionnellement absent ou distant ou négligent. Dans ce cas, l'exercice à faire ici, la pratique à faire ici, c'est de remonter à un incident où il y a eu, où le parent a eu ce comportement distant, se connecter avec son enfant intérieur, vraiment accepter la douleur de son enfant intérieur. Dire oui, je reconnais que c'était difficile, savoir pardonner les personnes impliquées dans cet incident. Et aussi, il faut donner à son enfant intérieur ce qu'il n'a pas reçu à cet âge-là, dans la petite enfance. Il faut vraiment nourrir son enfant intérieur. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode générique de faire cela, c'est-à-dire l'exercice, le fameux exercice du miroir qu'on peut trouver dans ma vidéo sur cet exercice-là, où comme ça on apprend à nourrir son enfant intérieur, où tu peux vraiment le faire de manière spécifique sur ta propre vie à toi, les incidents difficiles, les comportements difficiles qu'avaient tes parents, que tu as utilisé comme ça pour façonner ta définition de l'amour. Alors il y a certaines personnes qui sont souvent débordées par trop d'émotions comme ça difficiles et donc, si tu es l'une de ces personnes, il est préférable de faire ce travail de guérison avec un professionnel, peut-être un spécialiste
EFT, car les gens qui pratiquent EFT, les professionnels de l'EFT, sont vraiment bons dans ce genre de travail. Il y a d'autres professionnels certainement dans d'autres disciplines, mais je te donne ici les grandes pistes que tu peux commencer à suivre. Et si tu peut-être si tu te sens forte, tu peux le faire ce travail par toi-même de guérison de l'enfant intérieur. Alors, tu utilises aussi cette affirmation pour l'estime de soi, et je te propose d'ajouter une autre affirmation complémentaire à celle-là. Ce serait: moi, Céline, je suis capable d'avoir une relation amoureuse, affectueuse, durable avec un homme qui me plaît ou qui me convient. Donc, c'est une affirmation vraiment pour accepter d'avoir le bon type de relation au lieu de simplement rentrer dans un schéma de victime et de se dire: oh là là, je sens que le prochain, ce sera encore comme avec le précédent. Et donc, avec cette affirmation, cela permet vraiment de couper ce schéma de relations comme ça qui vont en voie de garage. J'espère que cette vidéo t'a fourni des pistes intéressantes que tu pourras explorer. Tiens-moi au courant sur tes progrès. Et n'oublie pas, la vie est un voyage. Apprécie la balade. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans la section des commentaires ou encore sur mon forum ou sur Snapchat et Instagram. À bientôt, ciao ciao.